Quelle nuit difficile ça a été. Puis-je vous offrir quelque chose à Madame Bourgeoisie? Juste un livre. Ah, oui, oui. Madame Bourgeoisie, here you are all. Oui, bien sûr. Au Baudelaire, je vais sortir me promener maintenant parce que je me sens étourdie. Oui, bien sûr. Où allons-nous? Oh, je peux s'en soir. Qu'est-ce que cette mes promenades? Je pense que c'est ce qu'il s'agit. La question que j'ai est comment Madame la Bourgeoisie il est mort. Il est par poisson ou par noyade? Je vous ai tout amené ici aujourd'hui pour discuter du miracle de Madame la Bourgeoisie. L'avez-vous amené à l'avouer ou dévoiler ce simplement raconter l'histoire? D'accord. C'est le qui s'est passé la nuit à Madame Bourgeoisie a disparu. C'était une belle journée. Tout allait bien. Elle est arrivée au complexe pour la première fois à 2h30. Elle est allée faire du shopping, a pris un café et dans l'ensemble. Passez une bonne journée. Qu'elle a pris des vêtements pendant cette période parce que le majordome a dit. Plus tard, Madame s'est sentie mal, alors est allée se promener. Son garde du corps était juste devant les portes. Sur sa promenade, elle est allée à la piscine où elle a rencontré sa fille. Maintenant, la question est, qu'a-t-il fait? Ce n'est pas le majordome et ce n'est pas le garde du corps. Alors, qui est-ce? Que faites-vous tout? Organisez une enquête pour votre mort. Je suis bien vivant. Je vois ça maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis allée me promener et je me suis retrouvée à la piscine à l'os. Je décidais de pratiquer un nouveau moment pour mon... Couche à quoi, Jim? Alors pourquoi flottais-tu comme si tu étais morte? C'est le but du mouvement. Personne ne la remet en question quand ils n'ont pas trouvé ma corps flouant dans la piscine des heures plus tard. Je ne suis pas beaucoup. Pourquoi pensez-vous que nous sommes dans une buanderie? Et des chaussettes rouges et jaunes à petits points.